Aujourd'hui, nous sommes sur un site où nous travaillons en tandem, bien sûr, avec les PAM et les communautés. C'est l'exemple donc, des demi-lunes qui sont promises. C'est la question de la dégradation donc, des sols, comment récupérer ces sols dégradés qui sont là, qui peuvent permettre effectivement donc, de fixer les populations sur place et d'améliorer leurs revenus. There's one common thing across the continent is the condition of the land, which is also a situation in our country where we have many pockets or large expanses of land that have degraded over the years. 20 ans, on recule 20 ans en arrière. Socorbier vraiment était une commune qui connaît vraiment des forêts denses que les gens exploitaient, donc au profit même de leur survie et pour la survie des animaux. Donc à ce temps-là, les gibiers même, les animaux sauvages étaient à côté. Même la nuit, quand la nuit se calmait là, on entend même le cri des hyènes, des lions et les petits gibiers là. Tout ça là a disparu. Et qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est vraiment l'avancée de la désertification qui a provoquer donc la disparition de ces animaux sauvages-là et maintenant et même de la forêt. Et maintenant, on constate que maintenant le changement climatique qui a vraiment affecté et négativement même le train de vie de la population. But it doesn't mean that soils are dead, and even the very very poor soils that we see here in this hill can be restored back to a significant level of production. For example, I've just seen the Half Moon. We've been taking part in the Half Moon, lots of digging, of course, which at the end of the day is for the good of our land. So there's aspects of community engagement that I've seen, and there's the issue of how the universities have taken part in the research aspect, as well as capacity building, teaming up with partners such as WFP and other implementing organizations, and integrating all that, and also integrating different technologies at improving the land, as well as ultimately contributing to the improving of the livelihoods of people. When one of the PhD students who has been sponsored by RioUNEP presented their project and how the data has been collected and how there is evidence, as you add value to the work, some of those components where you have traceable evidence, where people can see, it becomes easy to replicate and easy to adjust and easy to pick issues that have to do with maybe where we're going wrong, issues of improvement. Et ensemble, bien sûr, nous sommes en train de travailler avec ces communautés pour leur montrer, bien sûr, qu'il y a des solutions qui sont là pour leur permettre donc de récupérer, bien sûr, ces terres et de produire. Il y a eu des opérations de plantation, il y a eu des opérations de récupération de terres avec différents ouvrages que nous, vraiment, c'est avec PAM que nous les avons vus. Malgré l'âge que j'ai, je n'ai jamais vu ça, mais avec l'arrivée du PAM, on a vu des ouvrages vraiment qui aide vraiment la population à s'adapter au changement climatique. Parce que maintenant, même la forêt est en train de se réinstaller.
Ce n'est plus le traitement de l'urgence, mais c'est le traitement, bien sûr, de la durabilité et de la sécurité alimentaire. Et c'est ça la réalité de la sécurité alimentaire. Parce que donner, bien sûr, à manger à quelqu'un aujourd'hui, et puis vous partez demain, il a faim, et vous devez revenir encore, ce n'est pas de la sécurité alimentaire. Mais lui permet donc de produire continuellement et de s'alimenter. Là, nous sommes dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et bien sûr, le PAM s'est engagé dans cela. Et nous ne pouvons que, bien sûr, continuer ce partenariat plus loin.